tendu la main, m'a montré le chemin de la vie. Le Seigneur m'a dit bien, moi j'ai donné ma main. Oh mon Dieu, il est dur le chemin. Le Seigneur m'a dit bien, il m'a tendu la main, m'a montré le chemin. J'ai donné la main, oh mon Dieu, il a dur le chemin. Comme si mon bien allait s'effiler, comme Jean a quitté ses parents. Moi, je voudrais bien. J'ai tout essayé, mais mon Dieu, c'est dur d'en faire autant. Le Seigneur m'a dit bien, il m'a tendu la main, m'a montré le chemin de la vie. Le Seigneur m'a dit bien, moi j'ai donné la main, oh mon Dieu, il est dur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de Saint-André, apôtre. Il était à la suite du Christ. André fut l'un des deux premiers appelés. Il a tout laissé avec promptitude pour être à la suite du Christ. Comme Saint André, mettons-nous à la suite de notre Seigneur. Et au début de cette célébration, reconnaissons que nous avons péché, demandons pardon à Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, le Seigneur nous aime, joie au ciel que la terre exulte, qu'on l'acclame, il est grand notre Dieu, pour toujours il donne sa paix. Oh, la gloire, il est dans notre Dieu.
Seigneur, Dieu de majesté, nous te supplions humblement, fais que le bienheureux apôtre André, qui a évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture est extraite de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, le 10e chapitre, les versets 9 à 18. Frère, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, quiconque met en lui sa foi, ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'évoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit, comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent la bonne nouvelle. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet, qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler? Or, la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors, je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit, sur toute la terre se répand leur message et leur parole jusqu'aux limites du monde. Parole du Seigneur. Nous allons ensemble méditer le psaume 18 et après chaque strophe, nous répéterons par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit. Et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message.
qu'il vous plaise de vous mettre debout pour accueillir et acclamer l'Évangile. À ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alléluia, alléluia, merci mon Dieu pour belles paroles. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leur filet dans la mer, car c'était des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, sœurs et frères, aujourd'hui l'Église fête l'un des apôtres célèbre la fête, l'entrée dans la vie de l'un des apôtres. Il s'agit de André, le frère de Simon. André fut l'un des deux premiers appelés. Ça nous sous-tendait dans l'évangile là, histoire, appel André, c'est que yo, monsieur Sao, surtout, quatre premiers, si là où Jésus est là, c'était monde qui t'a travaillé. C'était monde qui t'a mené activité ordinaire. Et y'a pas de l'autre bagaille, y'a fait que pêcher poisson. Y'a pêché poisson. Y'a été très familiarisé avec la mer. Y'a été qu'on s'arrête la fatigue des de vagues. Y'a été qu'on prend un bain dans mauvais vent. Dans mauvais vague parce que c'était travail. Mais dans travail, yo pral recevoir un appel. Dans travail, yo pral faire une rencontre et rencontre ça qui pral bouleverser la vie yo, qui pral changer la vie yo, qui pral bailler la vie yo une autre orientation. Ça veut dire yo pral passer de une activité à une autre activité. Mais ça qui intéresse nous matin, c'est André appel André. André, c'est lui-même qui t'a dit, Simon Pierre, nous avons rencontré le Messie. André, certainement, c'est pas le nom de Jésus, il est là, il était déjà, il était déjà. Et la Bible racontait, c'est lui-même qui t'a dit, frère Pierre, qui pral vin tourner le primum inter pares, le premier parmi ses frères. Mais c'est lui-même qui va dire, Pierre, nous rencontrer maintenant. Et l'autre fois, Jésus va le rencontrer ensemble, c'est dans le travail. Pendant qu'ils sont ensemble avec Simon, ils sont dans le bord, ils ont jeté filet, et c'est là que Jésus va le relire, il va dire, suive-moi. Mais ça pour nous remarquer, avec ce mio, aussitôt que Jésus dit, suive-moi, ils ont tout laissé. Ils ont tout abandonné. Il s'agit de côté de Simon,
avec André. Il s'agit de côté de Jacques, fils de Zébédée, avec frère Jean. Donc, mon sous la Bible pour matin, il parle de quatre mondes, ça y est. Simon et André, et Jacques, fils de Zébédée, avec frère Jean. Donc, quatre frères, ils ont toutes les mêmes activités, ils ont pêché poisson, mais ils ont pral recevoir l'appel du Christ. Et aussitôt que ils recevoir l'appel là, ils ont quitté toute bagaille avec promptitude, avec rapidité, avec premier élan, ils ont pral tout abandonné pour suivre Jésus. Qui ça s'appelait différent avec ce mot? Activité, c'est ça que tu connais pas manger. Certainement, c'est ça que tu connais de occuper maman, papa, famille. C'est ça que tu connais faire vivre avec ce mot. Et c'est dans ça tout, tu connais faire ti économie. Mais Jésus et Léo, le premier appel là, ils ont quitté toute bagaille. Question nous t'a de poser tête. Est-ce que ils ont pas aimé ça ou t'as fait? Est-ce que ils ont pas aimé job ou t'as fait? Est-ce que yo te vle déjà quitter activité yo ou du moins est-ce que c'est appel Jésus a qui fait yo oublier toute bagaille qui fait yo quitter toute bagaille yo quitter toute bagaille yo quitter toute bagaille yo pas connait qui ça ou t'a pas joindre dans Jésus qui différent de appel Jésus pour le faire après yo moun ça yo pas louer Jésus a fait miracle yo pas louer Jésus a opéré des merveilles Jésus a guéri moun, Jésus a multiplié pain, Jésus a ban pile moun manger. Ah, là pral gen yon raison pour moun sa yo pour yo suivre Jésus. Mais premier monsieur sa yo, yo pa konn wè miracle Jésus, yo pa konn tande miracle Jésus. Yo lancé yo aveuglement à la suite du Christ. Yo pa gardé intérêt, yo t'a pral jwenn nan men Jésus, mais à l'appel du Christ, ils ont tout abandonné, ils ont tout laissé pour aller le suivre pour y aller suivre lui et c'est pour ça monsieur Sayo yo gagne la foi fort avec ce mio yo la foi qui marche même dans fait noir yo la foi qui brine fait noir yo la foi que moun en réalité pas avec ce mio tant que nous même pas ta gagne mot pour nous ta parler de yo parce que yo t'a suivre Jésus yo t'a quitté toute bagaille yo pas te connaît ça prend cela mais on seul bagaille yo te connaît yo t'a rencontré messie yo t'a rencontré maître là yo te rencontré sauveur et alors yo quitté toute bagaille pour y aller suivre lui qui ça ou même comme activité ou encore qui ça ou même comme son aimé ou encore qui ça ou même qui est trop attaché avec elle pour quitter pour Jésus est-ce que c'est un péché qui m'a repio ou pour qu'on quitte elle est-ce que c'est une activité qui m'a repio ou pour qu'on quitte elle qui ça ou pour qu'on capable de quitter ou trop marié avec l'autre, ou trop marconné avec elle, pas avec ce mieux. C'est moment pour nous la prière, pour nous demander André intercéder pour nous, pour lui la prière pour nous, pour tout apôtre la prière pour nous quitter surtout mauvaises habitudes nous, mauvaises coutumes nous, mauvais attachements nous, ça qui marie pied nous, ça qui encombre pied nous, ça qui marie que nous, ça qui encombre que nous, encombre l'esprit nous, mentalité nous, qui empêche nous libres. Pour nous abandonner toute bagaille, pour nous aller suivre Jésus, pour nous tourner des pécheurs d'hommes. Tourner des pécheurs d'hommes, ça veut dire, al porter bon conseil pour l'autre, al aider dire l'autre, al dire l'autre, nous rencontrer Jésus, al dire l'autre, manière à vivre dans l'hyper bon, al dire l'autre, et mais nous rencontrer lumière, porter lumière pour l'autre. C'est ça, ça veut dire, pécheurs d'hommes. Pécheurs d'hommes, c'est pas aller prendre mon retirer le côté lié avec pour et tout mettre l'autre côté comme s'il était non de l'eau ou après retirer le mettre l'autre mais non pécheur d'homme ça veut dire non façon à vivre non façon à évangéliser non façon à faire apostolat comment ou même tout ou témoigner du Christ ou témoigner de la lumière du Christ ou témoigner de l'amour du Christ ou témoigner de la fraternité du Christ ou témoigner tout de la miséricorde de Dieu c'est comme ça ou pécheur d'homme là on nous demandé André lui même qui t'a abandonné toute bagaille lui même tout qui t'a parlé avec enthousiasme avec cœur content de Jésus avec frère les Pierre comment on va parler avec enthousiasme avec cœur content de Jésus avec un frère avec une sœur et c'est comme ça en réalité on va tourner youn parmi ceux-là Jésus relé et c'est chaque jour Jésus relé nous c'est chaque jour Jésus a fait nos signes. C'est chaque jour Jésus a dit nous viens à ma suite. C'est chaque jour Jésus a dit nous quittez toute bagaille, viens joindre moi, quittez ça ou attaché ou accroché avec vous, viens joindre moi. Viens joindre moi ça veut dire abandonner mauvaises activités et puis entamer la vie chrétienne,
entamer la vie morale, entamer la vie spirituelle, commencer belle ambiance pour vivre dans tête à tête avec Jésus. Dans la messe ça, frère avec Samuel, on nous demande bon Dieu grâce par l'intercession de Saint-André chaque jour pour nous quitter en pile petit bagaille pour être bon Dieu, pour la cause de l'évangile, pour la cause du salut de notre âme. On nous demande le tout pour nous gagner cœur content pour nous parler de lui. Parler de lui avec frère, un ami, pour nous dire qui j'en lis bon pour nous, qui ça lui fait pour nous, qui ça lié pour nous, qui laisse lié pour nous. Et c'est comme ça, même Jean avec Pierre, nous va gagner goût, l'autre va gagner goût, envie pour rencontrer Jésus. Et Jésus va arrêter nous. On a joué ensemble avec lui, dans le bonheur sans fin, dans la vie sans fin, qui ne va jamais finir. La vie qui était là hier, qui l'a aujourd'hui et qui l'a pour tout en temps. Amen. Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu Tout-Puissant, en la fête du bienheureux André, accorde-nous de te plaire par les offrandes que nous t'apportons. Accueille-les pour que nous en recevions la vie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établi à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons en disant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont à
rempli de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Même après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de nos familles respectives. Souviens-toi des défunts pour qui on a recommandé cette messe. Souviens-toi de toutes les âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, sans fin, nous implorons ta bonté. Sur chacune de nous qui participe à cette messe. Sur nos parents, nos amis et nos proches. Sur toutes les personnes qui se recommandent à nos humbles prières. Sur toutes les personnes qui ont recommandé cette messe. Sur les enfants, les délaissés. Sur les malades, sur toutes les personnes qui souffrent, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta grâce sur nos frères et sœurs qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux dans leur vie, particulièrement ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Nous implorons ta grâce sur nos frères et sœurs qui participent à cette messe à travers les réseaux sociaux, particulièrement RTA. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint André et tous les saints qui ont fait ta joie au nom des anges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Pour lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Sans
chanter bonjour, ou remettre au bon Dieu. Que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin qu'à l'exemple du bienheureux apôtre André, nous portions dans notre corps la mort du Christ pour obtenir de vivre avec lui dans la gloire. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame d'Altagrâce, grâce pour nous. Grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Saint André, priez pour nous. Tous les saints, tous les anges du ciel, intercédez pour nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Joyeux anniversaire à nos amis, à nos frères et sœurs qui aujourd'hui célèbrent ce grand jour. Si quelqu'un qui est présent dans l'Assemblée, avancez puis près l'hôtel là pour nous capables de continuer la prière pour nous. En attendant, nous disons bonne fête à Adeline Scholl, Clermina Petit Frère, super branché de la RTA, Dr. Judith Exantus, Flore Sijan, Gracia Saint-Louis, Harry Warner, Jésia Jean-Baptiste, José Tiara Pamela Meriska, Joseph Marinegi, Landji Beaubois, Marie-André Bélisère, Marie-Ange Coty, membre du groupe Les Servantes et Servants d'Altagrâce. Joyeux anniversaire et bonne fête à notre chère Coty. Bonne fête à Marie-Greta Isaac, Marie-Jolaine Louis-Jeune, membre du groupe Chrétien en prière. Bonne fête Marie-Jolaine. Bonne fête à Marie-Lucie Dénéus, à Marie-Séna Jean-Louis, Madame Kéder Jean, Myrlande Cazot, membre du groupe Les Dévots d'Altagrâce. Bonne fête à tous les dévots. Bonne fête à Philippe Jean, Souvenal Bellefleur, Stéphania Libéca, Suze Paul et Yves Robert Jean. Pour eux, ensemble avec eux, on a chanté joyeux anniversaire. Merci à vous tous, merci à chacun de vous. Bonne fête à tous ceux-là qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux dans leur vie. Et bonne fête à vous tous, bonne fête de Saint-André. Je vous souhaite de passer une excellente journée.
qu'un buffet dans bon Dieu par la vie. Merci, mon Père. Merci, mon Père. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. C'est vous qui relève, vous dites-moi suivre.